Hey! Salut à toutes et à tous, c'est Aito, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve dans Skyrim avec Phidias et nous sommes toujours à Markarth. Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cet épisode par une petite dédicace à Stan Mook, un abonné nouvellement arrivé sur GameFun, qui je fais un petit coucou, donc j'espère que tu regarderas cette vidéo et que tu apprécieras. Allez, c'est parti, on se met dans l'aventure. Et nous allons, je pense, sortir de Markarth, car ça fait beaucoup d'épisodes que je passe dans cette ville, ou sous cette ville, en l'occurrence. Donc nous allons changer un petit peu de registre en regardant ce qu'on peut faire dans les quêtes. Je crois que j'en avais sélectionné une à la fin de l'épisode précédent, mais il faut que je m'en assure. Donc pour ce faire, je vais sortir de la ville et on va consulter nos quêtes. Alors, on pourrait continuer une quête principale, mais je pense qu'il est temps de s'occuper d'une quête secondaire. Et je trouve que celle-ci, la première, trouver la source d'énergie de ce donjon, Mont Hantor, me paraît être pas mal. Donc on va sélectionner la quête et on va partir direction la carte, voir où ça peut se trouver. Alors, où est-ce que c'est? C'est plutôt vers là. Ça se trouve ici. D'accord. Donc, trouver la source d'énergie, j'ai Alftand ici, le col de l'inconstance ici. On va se rendre ici. Voilà. Hop, les ruines de Weimer. Ça nous fera pas très loin à marcher, donc ça risque d'être assez court comme route. Et ça nous arrange. On a notre cheval. Et malheureusement, il fait nuit, hein. Donc on va passer le temps vite fait. Allez, on va se mettre à 9h40. Histoire d'avoir le beau temps. Et surtout de la lumière, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du coup, j'avais déjà visité ou pas? Je me rappelle pas. Manifeste d'expédition. On va le prendre, ok, on le lira plus tard. Et on peut déverrouiller un petit coffre en adepte. Allez, on va pas s'en priver. Est-ce que c'est plus vers là? Non, c'est dans l'autre sens, évidemment, j'ai pas de chance. Oh, ça casse! D'accord. Non. Yes, nickel, c'est ouvert. Alors, une gemme, du grenat, lingot de fer, de l'or, collier d'or. Ok, je prends tout. Et j'entends un dragon. Du coup, moi, je dois me rendre... Oh, attention, qu'est-ce que c'était que ça? Il y a un dragon pas loin. Hein. Oui, il est juste au-dessus de moi. Regardez-le. Ok, est-ce qu'on l'affronte ou... Non, j'ai pas trop envie. Hein. Allez, on va s'éloigner de là. On va suivre notre quête. On va essayer de pas trop s'éparpiller. J'espère que ce n'est pas non plus trop loin parce que... Mine de rien, il n'y a pas de passage par là. Hein. Ça m'a l'air trop abrupt. Donc on va reprendre ce chemin-là. Oh. Les impériaux. Que font-ils par ici? En même temps, Ozef. Ouh, il dégaine son arc. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouh, d'accord, sombrage contre Impériaux. On va pas prendre parti, du coup. On va regarder un petit peu l'issue du combat. Et c'est déjà 1-0 pour les sombrages. Qui sont donc en supériorité numérique et qui massacrent les Impériaux. Littéralement. Ouh là 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 là. Mes 3 survivants. Les sombrages sont les plus forts, j'ai l'impression. Et nous, ça va nous permettre de les looter, les impériaux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Une petite torche, des flèches d'acier, ça m'intéresse. Prends une petite dague d'acier, ça se revend bien. Amulette de standard, tiens donc. Plutôt bien. Hop. On fait notre petit marché grâce au sombrage. Merci, messieurs, dames.
Ils sont tombés pile poil. Je m'attendais pas à avoir un petit affrontement là, des familles là. C'est plutôt sympathique. Enfin pour moi, hein. Pas pour eux bien sûr, mais en tout cas ils patrouillent dans le coin les sombrages. Ok, je vais pas les ennuyer plus longtemps. Direction la quête au mont Antor. Donc je suppose qu'il va falloir grimper, hein. Ça a l'air d'être de l'autre côté de cette montagne. Petit renard des neiges. Je vais laisser tranquille, je vais pas le tuer. Et on va en profiter pour découvrir quelques points d'intérêt, comme cette caverne qui est juste ici. Et que nous allons découvrir dans quelques secondes. Oh, attention, attention, c'est quoi ça? Allez, l'envoyer valser. Oh, j'ai loupé, c'est une blague. Allez, mange. Oula, attention. Il y a du monde. Ok. Lui, il est mort. Lui, dans pas longtemps. Oh, attention. Oh, mon pleine tête. Et ben voilà. Des peaux de loup. Je récupère ma flèche à chaque fois. Ok, on a découvert une nouvelle caverne avec des petites urnes devant qui sont vides, bien entendu. Pas celle-là. Cette pièce d'or, ok, je prends. Celle-ci est vide, je l'ai vue trop tard, ok. Ok, ok. Bon, bah c'est nickel. Là, on a un chemin qui monte, donc on va pouvoir le suivre et ça va nous emmener normalement à notre quête avec un beau petit point d'intérêt juste devant, du coup. La présence d'un tertre. Le cap de Yorgrim. Ok. Oh, attention, il y a du squeletton. Allez, lui, one shot. Les squelettes sont vraiment les plus faibles hein, ennemis du jeu. Hein. Voilà. En plus, avec des flèches Dwemer. Je vous raconte pas les dégâts que je leur fais. Il y a encore des petites urnes ici. Urne funéraire, ok, très bien. Avec un petit peu d'or à chaque fois, on pique les offrandes, c'est pas très sympa, mais bon, que voulez-vous. Bon, là, on a une porte en expert. On peut le tenter, ça risque d'être assez chaud. Hein. Surtout que... Ah, j'ai un petit peu de chance, je vois où ça se passe. J'ai localisé plus ou moins le point faible de la serrure. On va y aller, mollo. Je vous raconte même pas les... Aïe, 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 aïe. Les vibrations que j'ai dans la manette. Mais ça renforce l'immersion. Hein. Ça, j'aime beaucoup. Mais, ah, pour être précis, c'est pas évident. Du coup, j'étais presque. Et il va falloir que j'y aille vraiment très, très doucement. Bon, j'ai énormément de crochets, donc c'est pas grave. Au pire, plus je vais en casser, plus ça va en rapporter de l'expérience. Mais j'aimerais bien y arriver quand même, parce que ce gros coffre derrière me tente bien. Allez, allez! On y va au bout, yes. Parfait. Un coffre... Ouh, 285 pièces d'or, ça fait plaisir. Casque d'écaille, casque de fer, bottes de cuir, hache d'acier de flamme, bâton d'outre-tombe, robe de spécialiste d'altération. Waouh. Et bah pour une fois, je suis pas déçu du voyage. C'est plutôt correct. J'ai bien fait de m'arrêter ici pour looter. Lingot d'acier, ouais. Je vais pas m'encombrer avec ça. Allez, on va reprendre notre route en direction de notre quête. Et je vois encore un point d'intérêt en la présence du château. On a un petit filon de courindon ici. Ok, bon à savoir. Alors, au niveau de la faune ici, on risque de croiser énormément d'ours, de smilodons également. De choses comme ça. Ici, pour l'instant, ils ne sont pas agressifs. On va découvrir le fort de Castav. D'accord. Et je dois encore monter plus haut. Attention, il y a un squelette, là. Oh oui, c'est un squelette. Allez, one shot. Boum. Lui, je l'ai tombé, mais... Très rapidement. Ok, je vais pas y aller.
Ça ne m'intéresse pas de looter un squelette, de toute façon il a rien à part son arc. Alors j'espère qu'il va y avoir un chemin qui va me permettre de gravir cette montagne là, parce que pour l'instant je suis en train de tourner autour. Mais rien ne me dit... Oh, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Encore les deux qui cherchent la... La rouge garde. Oh là là, ils sont partout ces mecs-là. D'ailleurs, c'est une quête qu'on pourra faire également. Essayer de trouver cette fameuse rouge garde. Donc là, on a encore une... Là, ça est en train de descendre, donc du coup, je m'éloigne de mon objectif. Par contre, on a une caverne juste ici à découvrir, donc on va en profiter... Une fois encore, grotte de Morné. D'accord. Ça a l'air assez sinistre par là. Oh, et je vois des ennemis. Et voilà, on y est. J'ai vu des glaces. Allez. Un de moins. Boum, en pleine tête. Bien joué ça. Ok, il était mort. Allez, arrête de glisser comme ça. Je récupère ma flèche. Où est le deuxième cadavre? Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Je récupère mes flèches quand même, hein, il n'y a pas de raison. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce fort divers peut-être? C'est fortement possible. Hein. Par contre ici je vois qu'il y a un point d'intérêt très très proche. Et il y a également un chemin qui monte. Quelque chose me dit que c'est par là que je dois aller. Donc on va découvrir vite fait le point d'intérêt qui est ici, qui est une mine visiblement. Voilà, mine de sifflotte. C'est un joli nom ça. Je pourrais aller découvrir peut-être le tertre là, mais... Bon, on ira plus tard. En plus, je vois un ennemi qui a envie d'en découdre apparemment. Oh, c'est un assassin. D'accord. Ben, ça va être un assassin mort dans 2 secondes. Ouf. Stylé par contre. Allez, meurs. Décidément. Ouh, améthyste parfaite, décroché, note d'un assassin de la confrérie. De l'or, vulnérabilité à la glace, flèche Dwemer et dague Dwemer. Eh ben dis donc. C'est plutôt pas mal, on peut toujours pas leur prendre leur... leur armure, ça c'est un peu dommage. Par contre, je vais directement aller voir cette lettre. Qui doit me concerner visiblement. Alors, lettre, c'était laquelle, je ne sais plus. Lettre d'un... Note d'un assassin de la confrérie noire. Comme convenu, vous devez éliminer Phidias par tous les moyens. Le sacrement noir a été effectué, quelqu'un souhaite la mort de cette personne. Nous avons déjà reçu le paiement correspondant à ce contrat. Tout échec est proscrit. Astrid. D'accord. Ok, donc c'est la deuxième fois qu'on essaie de me tuer, je me souvenais plus, mais effectivement... Ça fait 2 fois. Je vais quand même aller découvrir ce point d'intérêt, c'est plus fort que moi, mais il faut que je... faut que je l'aie sur la carte. Hein. On va faire vite, on va se dépêcher. Ok, recoin du voyageur, oui, c'était vraiment juste à côté. Pour l'instant, je vois que des petits boucs. Oh, par contre, là-bas... Ouais. Un smilodon, une fois de plus. Allez, on va engager le combat. Je le touche. Oh zut! Au dernier moment... Oh, il a one-shot le bouquetin. Oh la vache. Allez, meurs. C'est bon, je l'ai eu. Flèche en pleine tête pour le terminer.
Magnifique. Tac, et je récupère mes flèches. Parfait. Il m'a quand même mis un coup de patte, hein, ce fumier. Ok, on récupère la peau de chèvre. Alors, du coup, je peux passer soit par ici... Oh! Ok, ça j'ai déjà trouvé. Je vais plutôt passer de l'autre côté. Ça m'a l'air d'être un peu mieux de ce côté-là. En fait, pas du tout. Si, c'est bon. J'ai trouvé la bonne voie, donc là, on est plutôt bien parti. C'est vraiment magnifique, hein, par là. Regardez-moi ça un peu. Ces vastes montagnes majestueuses qui se dressent ici. Ouh, par contre, là, il y a eu carnage. Il y a eu carnage. Ok, des réfugiés. Potion de soins profus. Ok, ils n'ont pas eu le temps de la prendre, visiblement. Prendre la bourse. Je voulais pas prendre le panier. Tac. Oh, ils se sont fait déboîter, là. Les réfugiés. Hop. Crochet. Ouais, bon, ça m'intéresse pas trop, par contre. Ma petite sauvegarde auto. Le panier, j'ai dû le prendre, mais je ne voulais pas. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc on va le lâcher, voilà, hop. Hache d'arme de fer, très bien. Bon, visiblement, ils ont essayé de se défendre. Un filon de fer. Mais ça n'a pas trop bien marché, apparemment. Ils sont fait déglinguer. Ok. Oh, encore un smilodon. Ah non, ce sont des loups. Ok, un loup des glaces, un loup normal. Est-ce que je pourrais peut-être user de poison? On va mettre du venin. Lui, normalement, c'est un peu gâché, mais bon. Hop. Lui aussi, il n'y a pas de raison, il a le droit à son petit venin. Ah, oh, j'ai loupé! Oh non! Ah, il est bientôt mort, de toute façon. Il fuit et il est mort, c'est bon. Décidément, on tue pas mal de loups, hein. Ça nous fait énormément de peau. Donc ça, du coup, j'aime bien. Surtout qu'ils représentent plus trop une menace pour nous, hein. À part si, vraiment, ils venaient à 4 ou 5 sur nous, mais c'est rarement le cas dans le jeu. Alors, je descends et mon objectif grossit à vue d'œil, donc on est bientôt proche de trouver notre quête. Là, il faut que je fasse très attention parce que j'ai trouvé une antre d'un dragon. Donc, on risquerait d'avoir le dragon à combattre. D'ailleurs, je pense qu'il est là. Exactement, il est là. J'avais bien vu. Et ben, vous savez quoi? On va engager le combat. Hein. Allez, je vais louper, évidemment. C'eût été trop beau que je touche. J'aimerais bien qu'il arrête de... Par contre, il ne crache pas de flamme. C'est un dragon tout simple, un dragon basique. Allez, mon gros, mange. J'ai loupé, là? Ok. Dragon de givre. Visiblement... J'ai pas réussi à lui envoyer le fou Roda en entier. Dommage. Okay, j'ai réussi à le toucher. On va peut-être mettre du venin également. En espérant que je touche la prochaine fois. Ok, là s'il se stabilise, c'est bon, je peux l'avoir. Coupé. Je vais me prendre une petite popo de vie, hein, parce que. En cher quand même. Est-ce que j'ai une potion de résistance peut-être? Essence de spectre des glaces. Je peux utiliser, voilà, ça va me protéger contre le froid, ça va me faire moins de dégâts. Son attaque. Ce qui est pas plus mal. Hein. Allez, mange! Là, je l'ai bien touché.
Allez, viens là. Touche une nouvelle fois. J'aimerais bien qu'il se pose là un petit peu là, parce que ça commence à m'énerver légèrement. De devoir jouer au jeu du chat et de la souris. Sachant que dans ce jeu là, la souris c'est moi. Allez, j'aimerais bien qu'il se pose là. Réellement. Je peux m'abriter un petit peu. Allez, viens, 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 viens. Viens voir papa. Je l'ai touché. Pas mal efficace l'essence de spectre des glaces. Hein. Ça marche bien apparemment. Non, je vais louper. Allez, ce coup-ci, j'ai bien envoyé le Fusproda. Boum, touché. Breuvage de santé, non, je vais prendre plutôt du soin léger. Et on va prendre également potion de vigueur, parce que je n'ai plus de vigueur. Allez, descends. Ok, c'est bon, il est au sol. Bien plus vulnérable qu'avant. On va le tuer. Et la dernière pour le fun. Voilà. Il est mort le bougre. La gueule ouverte, magnifique. Alors on va le chercher directement. De l'or, des autres dragons. Écailles de dragon, des pots d'honneur qui sont à moi. Très bien. Et nous allons récupérer son arme. Mmh, la délicieuse arme de dragon. Miam, miam, miam. Ok, parfait. Bon, bah, on vient de se faire un petit dragon, mine de rien. Ça fait plaisir. Et on va également en profiter pour récupérer un mot de puissance. Hein. Ah bah, c'était ma quête, du coup. Ah, j'avais pas compris ça, moi. D'accord. Eh bien, voilà, on a récupéré un nouveau mot de puissance. Et du coup, je suppose qu'il gardait également un coffre, hein, quelque part. Donc, je vais fouiller vite fait les environs. Ah, moi, je pensais que c'était un donjon qu'il fallait que j'explore une fois de plus. Mais non. Ah, bah, c'est bien. Une petite quête à l'air libre, là. Ça fait vraiment plaisir. Par contre, j'aimerais bien trouver son coffre. Parce que toujours, il garde un coffre, les dragons. En règle générale, il se trouve non loin de là. Il y a un laboratoire d'alchimie ici. Mais ça ne me dit pas où se trouve le coffre. Où caches-tu ton coffre, petit dragon? Bon, alors peut-être qu'il n'en avait pas. Ce qui m'étonne assez, quand même. Hein. Généralement, ils ont toujours un trésor. Non. Je ne vois rien, je n'aperçois rien à l'horizon. Bon, bah très bien. Tant pis. Tant pis, tant pis. En tout cas, on a fait une nouvelle quête. Bon, bah voilà, sans le savoir de trop, hein, puisque je ne me suis pas intéressé à plus que ça à cette mission. Mais c'était effectivement de tuer ce dragon. Et nous sommes arrivés au Mont Thor, donc du coup... J'ai envie de dire, mission accomplie et pas de coffre, visiblement. Hein, pas de coffre pour ce dragon. C'est bien dommage, je suis un peu déçu. Mais bon, en même temps, le combat n'était pas super difficile. Hein, on s'est fait un petit dragon sauce moutarde, là. En 2-2, bah, on va s'arrêter là, du coup, hein, puisque on va finir sur cette petite victoire de l'elfe sur le dragon. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine, donc restez connectés sur la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager, et même vous abonner, comme l'a fait Stanmook, et bien d'autres également, que je remercie également au passage. Et on se quitte ici, devant ce cadavre de dragon. Sur ce, jouez bien, portez-vous bien, et à plus tout le monde. Allez, ciao !